Salut à tous, c'est Max Trott. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ce sera un petit tuto comment faire de la wax. Pour faire de la wax, il vous faudra déjà 3 bougies, une canette coupée en deux, plus ou moins, une assiette, un couteau. Du beurre et un essuie en cas de besoin. Alors, pour commencer, vous prenez votre couteau, non pas pour le moment, vous prenez vos 3 bougies et votre canette. Vous enlevez déjà les socles en verre. Vous enlevez les socles en verre. Voilà. Après, vous enlevez encore un autre socle. Après, vous enlevez la tige qui est juste ici. Vous appuyez dessus, puis vous aurez ça qui va. Voilà. Vous enlevez, vous mettez dans votre pot. Vous mettez quelque chose là, ici, enfin, votre bougie dans votre canette. Après, vous prenez votre bougie. Vous appuyez encore sur la tige et vous prenez ce qui arrive, vous prenez votre bougie, vous mettez dans le pot. Vous faites exactement la même chose. Hop, et puis vous remettez dans la canette. Pour le moment, ça vous donnera ça. Maintenant, vous prenez votre beurre. Hop, vous prenez vraiment, mais vraiment un tout petit peu de beurre. Vous prenez ça, comme ça, pas beaucoup, hein. Vous l'avez dit au début de la vidéo. Hop, vous mettez ça de côté et vous mettez dans votre pot. Après, vous avez déjà fini la préparation de votre wax. Désolé, j'ai oublié de vous le dire, il faut faire préchauffer le four à 200 degrés. Donc, on se retrouve tout de suite. Quand on met au four. Donc voilà, on va aller vite mettre notre pot dans le four. La préparation de la wax. Et voilà. Et on se retrouve pour la prochaine étape. Ah oui, et vous laissez 5 ou 6 minutes au four, donc à 200 degrés. Et puis on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc voilà. Pour prendre un four, il vous faudra déjà un gant ou bien un essuie, c'est plus pratique qu'un gant, je trouve. Et une assiette pour après. Vous posez quelque part. Vous ouvrez le four. Et vous prenez votre wax. Et puis, vous la mettez dans le truc. Et si vous n'avez pas vu, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc c'est très liquide, donc ça c'est normal. Puis on se retrouve tout de suite dehors, vous verrez pourquoi. Donc voilà. Donc vous faites refroidir dehors. Et puis on se retrouve tout de suite pour voir le résultat. Donc voilà. Donc quand votre wax elle est finie, ça vous donnera ça. Donc ce sera assez dur. Pouvez toucher, enfin faut vraiment que ce soit assez dur. Ça prend on va dire 15 minutes que ce soit dur comme ça. Vous prenez un ciseau, vous coupez comme ceci. Ça va être très très embêtant d'ailleurs. Donc je l'ai un peu.
casser. On va faire une coupure quand ça c'est fini. Donc voilà. Donc, quand vous avez enlevé du pot, vous. Enfin, ça, on s'en fout. Vous mettez tout ça à la poubelle. Normalement, si vous êtes propre. Donc, après, ça vous donnera ça. Voilà. Là, c'était. Moi, j'ai pas super bien fait, mais vraiment, faut pas que ça soit tout collant. Faut encore laisser plus. Faut pas vraiment pas qu'il y ait de grumeaux à la fin. Encore un peu de bougie. Donc voilà. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce vert. Abonnez-vous à la chaîne. Et laissez un pouce vert. Allez, ciao!